Bon matin tout le monde, bon matin tout le monde, est-ce qu'on peut dire hallelujah? Alléluia? Merci d'être là, c'est toujours une joie, le dimanche, le jour du Seigneur, toujours une joie de se retrouver hein, tous ensemble dans la présence de Dieu, autour de la parole de Dieu. Et nous continuons notre série sur l'Épître de Paul aux Romains qui se nomme Sola Fide, qui veut dire par la foi seule, maintenant tu commences à le savoir. Et permets-moi de revenir sur la prédication de la semaine dernière. Une illustration pour que tout le monde comprenne bien, mais je l'ai l'appliquer différemment. On a vu que par la foi seule, ça veut dire que quand tu vas te présenter devant Dieu lors du jugement dernier, la seule chose qui va compter, c'est ta foi en Jésus. Maintenant, supposons que tu es ici pour la première fois, que tu entends la bonne nouvelle de Jésus, que tu te confies en Jésus, toi et moi on meurt en même temps. On se retrouve au ciel. Maintenant, moi ça fait 30 ans que je suis le Seigneur, j'ai 25 ans de pastorat, j'ai une maîtrise, ça fait des années que je prêche l'évangile. Les deux on se présente et il y a un petit casier on doit mettre toutes nos œuvres. Toi, c'est pas compliqué, tu ne mets rien. Parce que tu n'en as pas. Tu viens de recevoir Jésus. Maintenant, moi, je pourrais penser que j'ai une longueur avant sur toi. J'arrive à l'ange, je dis Oui, mais tu me connais, je suis gaetan. Pasteur guettant. <laughs> Et l'ange va dire Pasteur guettant, mets le pasteur dans le petit casier. Mets le pasteur. Dis, oui, mais, mais hey, j'ai quand même des diplômes. Mets tes diplômes dans le petit casier. Oui, mais ça fait 30 ans que je le Seigneur. Mets tes 30 années de vie chrétienne dans le petit casier, ça ne compte pas. Oui, mais hey, j'ai prêché l'Évangile, ça fait 25 ans que je prêche Jésus. Il y a des centaines, possiblement des milliers de personnes qui ont été impactées, qui sont venues à Jésus euh, au travers de ma prédication. Et l'ange va dire, mets toutes tes prédications dans le petit casier, ça compte pas. Et toi et moi, on se présente devant Dieu avec la petite jaquette et la seule chose qui compte, c'est la foi que dans notre cœur, et c'était la foi à Jésus, on est à la même place et on hérite ensemble de la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la foi en Dieu, c'est la confiance en Dieu. Hein? Puis c'est important de comprendre qu'avoir foi en Dieu, c'est pas un comme on dit en hébreu un one shot deal, c'est un processus, c'est une vie de foi où on fait confiance à Dieu. Hein? si je pose la question est-ce que tu as foi en Dieu Beaucoup vont dire oui, mais si je dis est-ce que tu as confiance en Dieu Certains vont hésiter. Maintenant, la foi, c'est la confiance. Et on a vu la semaine dernière que beaucoup de chrétiens ont confiance en Dieu pour la vie éternelle, mais on a discuté à faire confiance en Dieu pour leur vie temporelle. J'aime l'histoire du, du petit garçon, à un moment donné, qu'il a un incendie, qui monte sur le toit, puis il y a de la fumée partout, puis il ne voit rien, il est sur le toit, il n'y a pas. À un moment donné, il entend une voix, c'est son papa qui dit « saute, saute ». Le petit garçon est terrorisé, « mais papa, je ne vois rien, je ne te vois pas ». Et son père de lui dire « tu ne me vois pas, mais moi, je te vois, fais-moi confiance ». Et régulièrement, non seulement dans la vie éternelle, alors qu'on va tous mourir, on va faire un saut dans le vide, mais jour après jour, le chrétien fait des sauts dans le vide et se confie en son Père céleste qui l'attrape et qui prend soin de lui. Maintenant, ça, ça s'apprend. Et c'est le titre de ma prédication ce matin. Comme Abraham, apprendre à faire confiance à Dieu. Ça s'apprend comment apprendre à faire confiance à Dieu. Abraham a cru en Dieu, mais a appris à faire confiance à Dieu. Imagine, Abraham, c'est un bonhomme de 75 ans. Il n'a pas d'enfant. Sa femme a 65. Dieu se révèle à lui, puis Dieu lui dit, Voici, je te donne une promesse. Si tu te confies en moi, je vais t'emmener dans un pays que tu ne connais pas, je vais être ton Dieu, je vais te donner une descendance, puis de toi, va naître le Messie qui va être la bénédiction de toute l'humanité. Abraham le cru, mais je vais juste faire un pas de recul. Abraham, imagine quand il retourne à la maison et il dit à Sarah, on va avoir un bébé. <laughs> Sarah a 65 ans. Isaac a 75 ans. Euh, Abraham a 75 ans. Et même la Bible nous dit que ça va prendre 25 ans. Déjà à 75 ans, je vais douter. Imagine les gens de 75 ans ici, une parole de Dieu, tu vas avoir un bébé. À 85 ans, je commence vraiment à douter. À 95, je ne crois plus. Et la Bible dit que Dieu a amené Abraham dans un lieu où il ne savait pas où il allait. C'est un périple de 2500 km. C'est l'équivalent de, de l'aval à la Floride. C'est comme si Dieu t'apparaît et te dit Fais-moi confiance, je vais t'emmener dans une terre que je vais te donner Maintenant, suis-moi par la foi. Et là, tu commences. Pas après, pas, après, pas. Puis Dieu ne te dit pas où tu vas aller. Maintenant, je l'ai déjà dit, moi, rendu déjà à la 4,40, je commence à douter. Maintenant, à Montréal, oublie ça, je suis plus là. Maintenant, Lacolle, Vermont, New York, Caroline, Caroline, tu hey, t'as de la foi, tu es rendu à Caroline. Non, Dieu veut t'amener en Floride. Et Abraham a appris à faire confiance à Dieu. Et à son exemple, nous pouvons apprendre à faire confiance à Dieu. Donc, si tu as ta Bible, ouvre avec moi dans Romains 4, verset 13 à 25. Un super texte biblique, encore une fois, ce matin. Un texte super inspirant qui peut vraiment changer ta vie. La parole de Dieu change les vies encore aujourd'hui. Amen. Romains 4, verset 13. Si tu as ta Bible et tu l'as, dis Amen. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, tu peux suivre sur les écrans. Donc, voici comment Abraham a appris à faire confiance à Dieu. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Hein, C'est-à-dire que Dieu qui déclare le pécheur juste simplement sur la base de la foi que tu mets en lui. Verset 14. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père. À tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi père d'un grand, grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de cent ans, et le sein maternel de Sarah, son épouse, déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donne en gloire à Dieu pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit cela lui fut compté. C'est aussi à cause de nous, à qui cela a compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Et comme on dit en hébreu, il y a beaucoup de stock là-dedans, des choses super inspirantes. Et le premier principe pour apprendre à faire confiance à Dieu, c'est que tu dois comprendre que la foi est asphyxiée par le légalisme. La foi est asphyxiée par le légalisme. C'est ce que Paul dit en commençant. En effet, ce n'est point par la loi, c'est-à-dire par l'obéissance au commandement de la parole de Dieu, que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Parce que si c'est par la loi, si c'est par les commandements, si c'est par ta propre justice qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Maintenant, je vais attirer ton attention sur le fait que la Bible dit que Dieu a promis quoi à Abraham? Oui, mais au-delà de ça, ce que la Bible dit ici que Dieu a promis un lapin de terre. Hein, souvent, on voit la terre promise, Israël, tout ça. La Bible dit qu'en fait, ce que Dieu a promis. Abraham, c'est d'hériter le monde. Si tu es en Jésus, tu vas hériter du monde. OK. Je vois des gens qui ne comprennent pas trop. On a des amis, mon épouse et moi, qui nous ont emmenés dans un bar caché. Là, je sais que ça a de l'air en tant que pasteur de commencer comme ça un dimanche matin. Euh, parce que toi, tu passes un bar, un bar caché, un bar clandestin avec des Hells Angels et louches. Non, non. C'est un concept partout à travers le monde. En fait, pour ceux qui sont offensés, imagine pas un bar, imagine un restaurant sans nourriture. OK? Donc. <laughs> et, et la manière que ça fonctionne, c'est que tu arrives, c'est que tu le sais pas, tu es dans le secteur industriel ou du secteur très passable, on arrive à un moment donné, il y a un mur de briques, il n'y a pas d'affiche, il a rien, puis c'est comme dans les films. Quand tu connais la bonne brique, tu appuies sur la bonne brique, puis il y a un, une porte qui s'ouvre. Ça existe pour vrai. Et là, tu arrives, des affaires super classe, tout ça, puis. Mais c'est intéressant d'être dans un endroit qui est caché. Il y a plein de gens qui passent, et probablement que tu passes régulièrement devant des endroits qui sont des, 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 comme ça des établissements cachés. Et souvent, les chrétiens, on a l'impression que Dieu nous réserve un paradis caché. Alors qu'on est une coupe de centaines, qu'on est minoritaire au Québec, on s'imagine qu'à un moment donné, dans la vie éternelle, Dieu va parquer les chrétiens quelque part dans un endroit où nous, on sait sur quelle brique peser. Mais la majorité ne sait pas trop. Je veux juste te dire que ce que Dieu fait, alors que nous sommes minoritaires, un jour nous serons majoritaires, ce que Dieu fait, une ampleur cosmique, universelle, Dieu nous permet d'hériter le monde en Jésus. Il crée un monde nouveau, nouveau aux cieux, nouvelle terre, où la mal ne sera plus, le diable ne sera plus, la mort ne sera plus. Dieu fait quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'Abraham, c'est ça qu'Abraham savait, c'était son héritage. Et la Bible ici, maintenant, parle de loi et de foi. qui okay, reste avec moi. Ça, c'est un principe que la majorité des chrétiennes des chrétiens ne comprennent pas. Dans la parole de Dieu, il y a deux catégories. Dans ce livre-là, il y a deux catégories. Ça s'appelle la distinction entre la loi et l'évangile as de soit des passages qui sont des commandements, ou soit des passages qui sont des promesses. Soit des passages qui disent ce que tu dois faire, ou soit des passages qui expliquent ce que Jésus a fait. Et c'est important de ne pas avoir une confusion entre les deux. Abraham comprenait que la loi, elle est importante. Mais ce qui détermine ton statut devant Dieu, c'est d'abord la foi. Et beaucoup de chrétiens inversent les choses et voient leur obéissance au commandement comme le fondement de la faveur de Dieu dans leur vie. Ça, c'est la conséquence, ce n'est pas la cause de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et Paul réitère encore une fois, parce que souvent il y a une confusion, et ça s'appelle le légalisme, c'est-à-dire que tu inverses les choses. Est-ce que les commandements, c'est important? Est-ce que la loi, c'est important? Est-ce que l'obéissance, c'est important? Mais est-ce que c'est le fondement de ton salut? Non, c'est la conséquence. Le fondement de ton salut, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que Jésus a fait. Le fondement de ton salut, ce n'est pas les commandements, c'est la promesse de Dieu pour ta vie. Le fondement de ton salut, ce n'est pas la loi, c'est ta foi. Le commandement, le fondement de ton salut, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Par exemple, je vous vois là, vous respirez, vous inspirez, puis vous expirez. Maintenant, est-ce que vous expirez la même chose que vous inspirez? Les gens du pasteur Guetan se posent des questions biologiques trop, trop pointues ce matin. Quand nous respirons, quand nous nous inspirons, qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de nous L'oxygène. Lorsque nous expirons, qu'est-ce qui sort CO2, hein, du, je l'ai écrit pour le dire comme il faut. On peut dire monoxyde car, gaz carbonique. La biologie, voilà, synonyme, ok Maintenant, oxygène gaz carbonique, oxygène gaz carbonique. Si tu investes le processus et si tu inspires. Du CO2, du gaz carbonique il arrive quoi? Tu meurs, tu meurs. Les deux sont importants, mais il y a une, quelque chose qui entre et quelque chose qui sort. La loi est importante, la foi est importante, les commandements sont importants, les promesses sont importantes, mais ce qui rentre à l'intérieur de toi, c'est pas le commandement, c'est la promesse, c'est la grâce. Et ce qui sort, c'est l'obéissance au commandement. Si tu fais l'inverse, ta foi meurt. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont une foi qui meurt. Parce que quand tu es dans le légalisme, ta foi Donc, si tu veux apprendre comment comment faire confiance à Dieu, commence par mettre l'Évangile et la loi dans le bon ordre. Et Paul continue, verset 16. Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une qu grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père. Deuxièmement, la foi s'appuie sur les gracieuses promesses de Dieu. Mon salut n'est pas basé sur mon obéissance rigoureuse aux commandements de Dieu, mais sur ma confiance aux gracieuses promesses de Dieu. Je m'entends Amen. Et le début, c'est la promesse. Tout commence par une promesse. Ça commence pas par ce qu'Abraham a fait, ça commence par une promesse que Dieu donne à Abraham. Et ton histoire avec Jésus ne commence pas avec le fait que tu acceptes Jésus comme Sauveur personnel. Ça commence avec le fait que lui d'abord te donne une promesse. Quelqu'un devrait dire Amen. Alors, vous savez, des fois, on, on, on doute des promesses de Dieu, mais on doute pas des promesses des hommes. Lorsque j'étais étudiant, je travaillais à la mission Bon Accueil où c'est des itinérants. Puis, ce public n'est pas facile. Puis, le matin, il y avait des déjeuners. Puis, il y avait une table. Il y avait une table pour les, les, les itinérants qui restaient, qui, qui étaient bénévoles. Et il y avait un petit avantage, c'est-à-dire qu'il y avait le toaster, le gré pain, il y avait une machine à café, tout ça. Et les autres itinérants qui devaient sortir, eux, n'avaient pas le privilège parce qu'ils ne travaillaient pas, ils ne œuvraient pas, mais ils avaient exactement accès aux mêmes choses, c'est juste qu'ils devaient faire la file. Et il y avait toujours du monde qui voulait me tester. Parce que, évidemment, j'étais jeune, 18 ans, 155 livres, les cheveux mouillés. Euh, puis c'était moi le boss, puis on voulait me challenger. Puis c'est du monde sortait de prison, du monde des sortes de criminels. Puis je me souviendrai à un moment donné, il y avait un gars qui me testait, puis. Il était musclé. Il était musclé. Puis à chaque fois, il allait s'asseoir ou il ne devait pas s'asseoir. Puis moi, si je laisse passer, personne ne va me respecter, donc je n'ai pas le choix. C'est pas que j'ai le goût. Puis je dis, mon ami, non. Puis là, à un moment donné, il se lève, puis il commence à me pousser, puis il enlève sa veste, puis des tatous. Tu sais, comme, moi, tu as des tatous, ça va. Quand tes tatous sont dans le cou, je commence à te respecter. Quand ils sont rendus dans ton visage, je te crée. Quand ils sont rendus dans ta face, c'est comme. Pis là, le gars, il a pas Pis Là, il veut se battre avec moi, tu sais. Moi, je dis Retenez-moi, retenez-moi <laughs> <laughs> Retenez-moi, j'ai le goût de m'en aller en courant. <laughs> Puis, ça a été, c'était assez stressant. Là, on en est aujourd'hui. Puis, il y avait, que... vous savez, quand tu travailles dans ces milieux-là, il y a, a toujours des gens qui sont, qui sont très loyaux à toi. Puis, il y en avait un qui, qui lui, sortait de 25 ans de, pour meurtre. C'était quelqu'un qui avait aussi des problèmes de santé mentale, puis il m'aimait beaucoup. Puis il est venu me voir, puis il m'a dit euh, Il m'a dit, boss, il dit euh, Je te fais une promesse. Il dit Tu sais, le gars, là il dit euh... <rire> <rire> Je m'en occupe. Non, si je veux pas que tu me fasses cette promesse-là, t'en occupe. Tu vas en pas en entendre parler. Je m'en occupe. Pis vous savez, cette promesse-là, J'étais terrorisé parce que je savais qu'il était pour le faire. Maintenant, des fois, on, on, on croit les gens, mais est-ce qu'il y a des gens ici qui croient? Notre Dieu, qui a pas de problème de santé mentale, qui est tout puissant, quand il dit quelque chose, il va le faire. Nous croyons aux promesses de Dieu et ça commence par une promesse. Et la Bible dit un, Dieu promet un jour, te fait la promesse de vaincre tes ennemis, de vaincre le diable, le péché, la mort, pour que ça soit une grâce. OK. Ça veut dire quoi dans le contexte de grâce La grâce, c'est non seulement de faveur et mérité, c'est dans la Bible le Dieu de grâce, c'est toujours le Dieu qui prend l'initiative. Ok, ceux qui sont en couple ici là, qui dans le couple ici vous avez pris l'initiative de dévoiler vos sentiments à l'autre personne, levez la main. Levez la main. Ceux qui ont pris l'initiative. Pas toi Ok, pour toute la fois. Ok, levez la main. Ceux qui ont pris l'initiative. <laughs> Vous n'avez pas l'air sûr en avant, Dis, lève ta main, lève ta main, lève ta main, pour pas perdre la face. Lève la main. OK, tu vois, dans, dans le couple, là, tu vois ceux qui ont pris l'initiative. Ça, c'est la grâce, c'est de faire le premier pas. Dieu a fait le premier pas envers nous, quelqu'un devrait dire Amen. C'est ce que la Bible dit. Et non seulement il le fait, c'est une grâce pour sécuriser, s'assurer. Que la promesse s'accomplisse, dans le contexte, c'était que Jésus vienne, soit le Sauveur de tous. Si ça dépendait seulement de l'obéissance d'Abraham, on serait dans le trouble. Si ton salut était seulement entre tes mains, tu serais dans le trouble. Pourquoi nous sommes pleins de confiance? Parce que notre salut n'est pas dans mes mains, il est dans les mains de Jésus. C'est ce que la Bible dit, afin que ce soit une grâce pour sécuriser la promesse. Hein, C'est comme quand ton enfant, tu as un beau vase, puis euh, tu vas aller, par exemple, le mettre sur la table du salon. Ton enfant de 5 ans dit Ah, oh, maman, maman, je vais y aller, je vais y aller, je, je veux aller porter le vase. Qu'est-ce que tu fais Tu donnes le vase, mais. Tu veux t'assurer que le vase sera à bon port. Si Dieu n'avait pas mis sa main sur la, la promesse, Abraham aurait scrapé la promesse. Deux fois, il fait passer sa femme pour sa sœur. Après ça, tu as Isaac qui est passif, c'est pas un champion. Après ça, tu qui Hein, tu vas avoir un, un, un Jacob qui est un menteur, après ça, tu as un Joseph qui est un petit prétentieux, tu as, as un Moïse qui est un colérique, après ça, c'est David, un adultère meurtrier. Si Dieu ne garantit pas la promesse par grâce, toi et moi, on n'est pas là. Donc, la fuite, la foi, la foi s'appuie sur les promesses gracieuses de Dieu. Et il continue verset 17. Il dit Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, et est notre père à tous. Devant Dieu, en qui il a cru et qui est ce Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Wow! La foi connaît Dieu. La foi, c'est. Tout à l'heure, je parlais du saut, c'est un saut dans le vide, mais ce n'est pas un saut dans le vide dans un Dieu qu'on ne connaît pas. Alors, fois, je les appelle à la télévision et je suis tombé sur une émission qui n'a juste pas d'allure mariage à l'aveugle. Comment dire poliment que c'est niaiseux? Comment tu, comment tu peux faire une alliance à quelqu'un que tu ne connais pas? C est, c est, ça n'a pas de sens, mariage à l'aveugle. Mais peut-être que tu nous visites ce matin, Dieu ne te demande pas de faire un mariage à l'aveugle. Ah, oh, c'est comme ça. Non. Dieu t'a donné un cerveau pour que tu t'en serves. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis toi de ton cerveau, s'il vous plaît. Et Abraham a évalué Dieu. Abraham connaissait Dieu. Hein, c'est D.L. Maudit qui dit. J'avais l'habitude de prier quotidiennement que le Seigneur me donne la foi. Puis un jour, j'ai lu Romains 10, 17 qui dit ⁇ La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. ⁇ J'ai donc commencé à lire ma Bible quotidiennement et depuis ma foi ne cessé de grandir. Tu veux augmenter ta confiance en Dieu, augmente ta connaissance de la parole de Dieu. Nous connaissons Dieu. Et quand tu le fais, hein, Paul dit ⁇ Je sais en qui j'ai cru ⁇ Hein, je sais en qui j'ai cru. Ça fait des années que je sens. Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que des gens, tu sais en qui t'as cru et La parole de Dieu va te dire deux choses, notamment sur Dieu. Elle va dire premièrement que ce Dieu-là, tu peux lui faire confiance parce qu'il donne la vie aux morts. Wow. Et dans le contexte, c'est la mort, c'était le, le système reproducteur d'Abraham de, 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 et de Sarah. Mais en même temps, oui, mais Dieu redonne vie. À tout ce que Dieu peut redonner vie à tout ce qui est mort. Vous savez, en théologie, il y a ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Un attribut, c'est une caractéristique de Dieu. Puis il y a des, des, des attributs non communicables, c'est-à-dire des choses que Dieu ne peut pas communiquer à la création. Par exemple, Dieu est omniscient, il sait tout. Mais tu peux prier comme tu voudras, tu ne vas jamais tout savoir. Dieu est omniprésent, toi, tu vas toujours rester à, toujours à la même place. Euh, Dieu est omnipuissant, il peut faire tout. Toi, tu es limité. Mais il y a également ce qu'on appelle des attributs communicables. Il y a des choses que lorsque tu entres en communion avec Dieu, que Dieu te communique. Vous savez, on est dans un monde où plein de choses nous communiquent de mauvaises choses. J'étais chez le, le, le barber, au barbershop à un moment donné. Puis mon barbier, tu sais, au début, quand tu es assis sur la chaise, puis il commence, tu sais, il touche un peu, il regarde ta barbe, touche tes cheveux. Il dit Hey, comment ça va Non, non. Wow, « C'est pas facile, là. » Il dit, « Tout le monde a la gastro à maison. » La gastro est un attribut communicable. Et là, je suis là, puis je dis, Seigneur Jésus, protège-moi. Protège-moi. » tu, tu sais, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux, tu peux rien faire. Tu peux pas te lever. C'est comme, « Je te fais confiance. » Mais blague à part, est on est dans un monde où on parle de virus qui communique tout ça, mais il y a des choses saines que Dieu communique. Dieu est saint quand tu t'approches de lui, il communique sa sainteté. La Bible dit que Dieu est le Dieu vivant. Quand tu es son enfant, il te communique la vie. Il redonne vie, il la capacité de redonner vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Quelqu'un devrait dire « Alléluia ». Alléluia. Dieu donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ah, vous savez, les dimanches, je ne sais pas pour vous, les dimanches, ça on arrive, puis qu'est-ce qu'on mange? Puis on se fait un tout-ski. Hein, un tout-ski, c'est tout ce qui reste. Hein? Puis tu regardes, puis des fois, tu es comme, OK, on veut faire une recette, mais tu es, es limité. Tu regardes dans le garde-manger, tu regardes dans le frigo, puis tu aimerais faire quelque chose d'exceptionnel, mais tu n'as pas les ingrédients pour faire quelque chose d'exceptionnel. Fait que tu es comme, tu es limité par les ingrédients, par la matière première. La Bible dit Genèse 1:1. -1, alors qu'il n'y avait rien, Dieu a tout créé. Dieu peut amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Dieu n'a pas besoin que tu amènes des ingrédients pour faire une recette succulente dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de matière première pour faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Dieu peut faire quelque chose au-delà de toutes tes capacités, de tout ton contexte de vie. Parce qu'il est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il continue, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Wow! C'est beau ça. Espérant qu'on toute espérance. Comment c'est possible d'espérer qu'on toute espérance? Parce que deux paliers. Quelquefois, quand tu regardes à la dimension humaine, il n'y a pas d'espérance. Quand tu regardes humainement, il n'y a pas d'espérance. Est-ce qu'il y a des gens que tu comprends ce que je veux dire? Abraham regardait humainement, il se regardait lui, il regardait sa femme, puis il se disait Il n'y a pas d'espérance. Mais pourquoi est-ce qu'il a espéré contre toute espérance? Parce qu'Abraham a choisi de ne pas se confier dans une perspective humaine, mais dans la perspective divine. Alors qu'il n'y a pas d'espérance pour les hommes, nous servons et nous croyons dans le Dieu qui peut toujours faire quelque chose là où il n'y a pas d'espérance. C'est pourquoi on peut espérer contre toute espérance. À un moment donné, il y, un, il y a un homme qui arrive, il y a des jeunes qui jouent au baseball. Pour ceux qui sont moins familiers que le sport, c'est important. Le baseball, c'est neuf manches, puis tu vas au bâton à tour de rôle. Okay, juste, je ne veux rien prendre pour acquis. Uh, et uh, là, Marie, il demande à un jeune, il dit, jeune à peu près 8 ans, il dit, hey, dit c'est combien les points? C'est 18-0 pour les autres. Il dit, hey, vous devez être découragé. Le petit garçon, il dit, non, il dit, on n'a pas été encore au bat encore. <laughs> tu sais, dans la vie, on n'est pas découragé parce que Dieu n'a pas encore été au bat encore. Dieu n'a pas encore fait sa part. Dieu est capable de faire quelque chose alors que nous sommes incapables de faire quelque chose. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? La foi espère contre toute espérance. Et la foi voit au-delà des circonstances. Hein, C'est exactement ça. Regardez, verset 19. Comment il a, comment il a espéré contre toute espérance? Regardez le verset 19 et 20. Et sans faiblir dans la foi. Il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. OK, première chose, vraiment, vraiment important, point pastoral crucial. Abraham n'était pas dans le déni. Abraham n'était pas dans le déni. La Bible dit Abraham considéra la réalité humaine. En hein, Souvent, les chrétiens, on pense que la foi, c'est d'être dans le déni. Abraham qui dit Non, c'est pas vrai, je suis pas vieux, je suis pas vieux, je suis pas vieux, je puis tout par celui qui me fortifie. Sarah, est-ce que tu crois Déclare-le, déclare-le. Proclame, réclame, Sarah, est-ce que tu crois Est-ce que tu crois Oui, c'est vrai, on n'est pas vieux, on n'est pas vieux, on n'est pas vieux, on n'est pas vieux. On va avoir un bébé, on va avoir un bébé. C'est pas ça, là. Abraham est réaliste. Il regarde Sarah, il dit, c'est juste de toi, puis moi, ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Donc, la foi n'est pas... il ah, y a des gens des fois qui disent, quelqu'un qui m'a déjà dit, Ah, je ne dis pas ma maladie parce qu'elle ne m'appartient pas, parce que si je le dis, c'est que je proclame quelque chose de négatif. Arrête là. Tu n'es pas Dieu pour, quand tu proclames quelque chose, que ça arrive. En passant, là, mais ça, c'est un autre message, OK? Abraham considéra... Abraham était très réaliste, c'est juste qu'Abraham a choisi de ne pas il a choisi de non pas de se confier dans ses capacités humaines mais de faire confiance à la promesse de Dieu. Quand il n'y a pas d'espoir, quand le diagnostic tombe, la foi c'est pas de dire je crois pas que je suis malade. Non, tu es malade. Quand le divorce arrive, c'est pas de dire non 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 non, il faut que tu reconnaisses la réalité, la foi c'est de choisir de ne pas te confier dans les circonstances, mais de te confier dans la promesse de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Et Abraham, je te rappelle qu'il a persévéré avec Sarah, parce qu'il était deux là-dedans en passant, OK? Pour avoir une descendance, là, il était deux, OK? Pendant 25 ans, pendant 25 ans, c'est comme cet homme à un moment donné qui traverse, il veut traverser la, la, à la nage la rivière est rendu en plein milieu, il dit oh, Je suis tellement tanné, je suis tellement fatigué Il retourne de bord. La foi te dit à un moment donné, on, Dieu nous a amenés jusqu'ici. C'est plus d'effort de retourner que de continuer de se confier en notre Dieu qui est fidèle. Puis il savait, il s'est confié en Dieu. Il a cru. Et c'est pourquoi il a été fortifié, fortifié. Et la Bible dit, il donne la gloire à Dieu. Ça veut dire quoi donner gloire c'est pas pas en parole, c'est pas juste sa vie à donner gloire à Dieu. Qu'est-ce que la Bible veut dire Ça veut dire que quand tu fais confiance à ton Dieu puis les gens autour de toi savent que tu es chrétien, tu donnes gloire à Dieu. Quand en tant que chrétien, on ne fait pas confiance à Dieu, on discrédite Dieu. Exemple, lorsque c'est l'été à la piscine avec les enfants, on a les papas, tu es là, tu es dans la piscine ton enfant sur le tremplin, ton enfant de 3 ans ou 4 ans, puis tu dis saute, saute. Ton enfant a peur. Puis il est là, là tu, tout le monde est autour, les amis, la famille regarde. tu dis saute, saute. Puis là, ton enfant, il est là. Puis là, si as, ton enfant, fait Tu dis, hey, mon enfant ne me trousse pas. Donc, ça, mais si ton enfant saute, là, tu es fier. Parce que ton enfant t'a donné gloire. Ton enfant a démontré que tu es digne de confiance. Notre Dieu est digne de confiance, c'est pourquoi on peut lui donner gloire en lui faisant confiance. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et regarde, Abraham avait cette conviction, le verset 21. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. La foi est convaincue que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. OK, reste avec moi. Encore une fois, des fois, on lit la parole très rapidement. Est ce que vous croyez que Dieu a la puissance d'accomplir toute chose? Mais Dieu est lié par une chose ce que Dieu a promis. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens être amers contre Dieu, fâchés contre Dieu, déçus de Dieu, abandonnés Dieu sur la base que Dieu n'aurait pas accompli une promesse qu'il aurait donnée. J'ai vu des gens, j'ai vu, m'est arrivé, tu vas à l'hôpital, puis la sœur est en train de mourir, puis tout le monde dit non, 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 non. Non, non, on a une parole, Dieu va la guérir. OK, la sœur a 92 ans, elle est malade, elle est malade, peut-être, peut-être. Mais c'est que là, on a une parole. là, finalement, quand la sœur meurt, la famille est fâchée contre Dieu. Il y a plein de gens qui ont, tu dis, mais j'ai reçu une parole, j'ai reçu une promesse. Okay, je vais le dire avec beaucoup de grâce, ton cœur est faillible et beaucoup d'entre nous, on s'imagine que Dieu nous promet des choses qu'il ne nous a jamais promises. Monsieur, j'étais jeune chrétien, j'ai vu une super belle fille passer, super belle fille, super belle fille, qui aimait Jésus. Et j'ai senti une promesse dans mon cœur, ça va être ta femme. C'est pas avec elle que je suis marié depuis 25 ans. C'est comme on s'illusionne, on s'illusionne, on, on veut, on a des projets et on veut tellement, et on confond nos désirs, nos perceptions avec une promesse de Dieu. Donc, Dieu va toujours accomplir ce qu'il promet. La clé, c'est qu'est-ce que Dieu promet. Dieu est seulement lié par les promesses de sa parole. Ce que je peux entendre, amène à ça. Il y a des multitudes de promesses. Dieu a promis de prendre soin de toi, de te diriger, de te garder, de te transformer, de t'éclairer, hein, de faire en sorte que tu sois victorieux sur le mal. Il y a plein de promesses que Dieu a faites dans sa parole. Dieu est seulement lié par les promesses de sa parole. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne parle pas? C'est pas ça que je dis. Je dis simplement sois très prudent avant d'accuser Dieu de ne pas accomplir une promesse qu'il t'a peut-être jamais faite. Et la Bible nous dit ici. Ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Maintenant, Dieu nous promet plein de choses. Est-ce que je peux entendre Amen? Et quand Dieu promet, il va le faire parce qu'il a la puissance de l'accomplir. Ça veut dire quoi? Je résume avec une citation de A.W. Tazer qui dit Ça veut dire que tout ce que Dieu a déjà fait dans le passé, nous croyons qu'il peut encore le faire ici maintenant. Tout ce que Dieu a déjà fait quelque part, il peut le faire ici. Nous croyons que tout ce que Dieu a déjà fait pour quelqu'un, il peut le faire encore pour moi, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu a encore la puissance d'accomplir ce qu'il promet. Et la parole de Dieu termine, verset 22. Donc, premièrement, la foi est explicite par le légalisme. Deuxièmement, la foi s'appuie sur les gracieuses promesses de Dieu. Trois, la foi connaît Dieu. 4. La foi espère quand il n'y a plus d'espérance. 5. La foi va au-delà des circonstances. 6. La foi est convaincue que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Tout ce que Dieu a promis là-dedans, il a la puissance de l'accomplir. Il est fidèle. Et 7. La foi authentique est toujours christocentrique. Regarde ce que fait Paul, verset 22. C'est pourquoi cela fut compté comme justice. Alors que Paul parle de la foi, il sait que pour les chrétiens, c'est possible d'avoir la foi dans la foi. Et il ramène le peuple de Dieu à l'essentiel. Il nous ramène à Jésus. Regarde. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit cela lui fut compté. C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. ok Pourquoi Paul nous, nous, nous ramène à Jésus? Il y a deux raisons. Premièrement, parce qu'on sait que la foi, la foi authentique, elle est toujours centrée sur Jésus. Et il y a un piège quelquefois d'entendre une prédication sur la foi. Puis le Seigneur augmente ma foi de fois Puis nos yeux sont tellement sur notre foi qu'on perd de vue Jésus. C'est possible de regarder à tout le, ce qui nous manque, puis tous nos défis. Et Paul veut s'assurer que tes yeux soient non pas sur ton nombril, mais sur Jésus-Christ. Et Paul nous ramène avec Jésus, il nous rappelle aussi, alors que tu sortes de défis de foi, alors qu'on vit des choses, alors qu'il y a des prières, que le plus grand des miracles, c'est notre salut. Je le rappelle, le plus grand des miracles, c'est notre salut. Le plus grand des miracles, c'est pas notre guérison, c'est le salut. Le plus grand des miracles, c'est pas un bébé, c'est le salut. Le plus grand des miracles, c'est pas la délivrance, c'est le salut. Ces choses sont importantes. Mais Paul ramène le fondement, le plus grand des miracles, c'est que Jésus est mort pour nous, il est ressuscité pour notre justification. Ça, c'est le plus important. Et ne laisse pas une requête non exaucée t'éloigner de ce que Jésus a fait pour toi. J'ai lu, j'ai lu un témoignage cette semaine qui, qui, qui m'a brisé le cœur. Il y a un, un couple qui écrit un livre. C'est un couple qui, peut-être comme plusieurs personnes ici, ont un fils, un fils de 8 ans, qui a le diabète. Puis il y a des gens autour qui leur disent que Dieu veut guérir cet enfant-là. Et au portail, nous croyons à la guérison divine. Je peux entendre en main à ça? On croit que Dieu fait encore des miracles. C'est juste que nous ne faisons pas de la guérison du miracle qu une idole qui remplace Jésus. C'est pourquoi Paul dit notre Seigneur, Jésus demeure toujours Seigneur. Toujours Seigneur il y a des gens qui disent, Dieu veut guérir votre enfant. Puis s'il si, si n'est pas guéri, c'est que vous n'avez pas assez de foi. Puis là, commence à. OK, on a besoin d'avoir plus de foi, plus de foi. Puis, quand, non, 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 vous êtes trop, vous êtes trop dans l'incrédulité. Vous parlez de diabète, vous parlez. Vous prenez ces tests. Commencez à proclamer la victoire. Proclamez la victoire. Proclamez la victoire. Puis là, à un moment donné, les parents décident d'arrêter de donner de l'insuline. Parce qu'ils se disent, c'est un. Les médicaments, c'est un manque de foi. En passant, hey, c'est pas prévu là, mais dans sa grâce, Dieu a pourvu plein de choses. ok. Les médicaments sont un moyen que Dieu pourvoit pour agir quelquefois. Les médicaments, c'est pas un signe d'incrédulité. OK? Donc, il y, y a un cas biblique, il y a des cas bibliques pour ça, mais je reviens là-dessus. Donc eux autres? Non. Là, à un moment donné, le jeune tu, il commence à dégénérer, son état dégénère. Puis là, ils se disent non. Puis des gens autour de disent non, non, ça, ça c'est le diable. C'est le diable qui veut, qui veut vous voler votre bénédiction. Puis là, des gens ont mais il y a plein de gens, tu en as entendu des histoires, puis tu en as vécu des histoires comme ça. Tu as entendu des pasteurs qui t'ont prêché ce genre de sottises. Et là, ils sont là, non, non. Puis eux sont bien intentionnés, hein? la foi, la foi, la foi, la foi. Le non, non, on refuse, on refuse, ça, c'est une illusion du diable qui veut nous voler la victoire. Le jeune tombe dans un coma, rentre à l'hôpital. Les parents commencent, puis ils commencent, continuent de prier, prient, il y a des réunions de prière. Ils ont la foi, ils sont sincères, ils ont la foi, ils ont la foi, ils ont la foi. refuse refusent les traitements médicaux. Qu Encore une fois, ils dit non, ça sera un signe d'incrédulité. si on n'a pas la foi, Dieu ne va pas honorer. Le petit gars est décédé. Les parents ont, ont refusé de faire des funérailles pendant plusieurs jours parce qu'ils continuaient à l'Église, priaient pour la résurrection, la résurrection, la résurrection, la résurrection. La rés... Ils ont la foi, la foi. Et lorsqu'ils ont dû se résigner à faire les funérailles, ils n'ont pas fait des funérailles. Ils ont fait une réunion de puissance et de résurrection. Et, et, et je n'ai pas de mispris. En tant que berger, je suis triste parce que c'est des brebis qui ont été mal nourries. Pis... Mais ces gens-là avaient la foi. Ils avaient même plus de foi que toi et moi. Mais ce n'est pas la foi biblique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi dans la foi. Ils n'avaient pas la foi en Jésus. Ils avaient la foi dans la foi. Et Paul s'assure de rééquilibrer les affaires alors qu'il veut défier le peuple de Dieu à avoir la foi d'Abraham, à apprendre à faire confiance à Dieu. C'est important qu'il va dire « Jésus, notre Seigneur ». La foi en Jésus réalise toujours que Jésus est miraculeux, mais il est aussi miséricordieux. Et que lorsque Jésus ne te donne pas le miracle, il va quand même te donner sa miséricorde. Et que la miséricorde de Dieu n'est pas moins glorieuse que le miracle de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu 11 comment la Bible elle est réaliste. On parle des, des, des hommes et des femmes de la foi, puis on parle de tous les miracles de l'ancienne alliance. Puis on va dire à la fin on va donner des exemples de gens qui n'ont pas, pas été exaucés. Voyons, comment dans ta parole, Dieu, tu peux mettre des exemples de gens qui n'ont pas été exaucés. Puis il va parler de ceux qui n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Mais pasteur Guetta, tu viens de nous parler que Dieu exauce ses promesses. La Bible même dit que du monde qui n'a pas reçu les promesses, parce que le verset suivant dit parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux. Quelquefois la mort va arriver, mais Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Quelquefois le drame va arriver, mais on continue de faire confiance que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Quelquefois nos prières sont pas exaucées, mais on fait confiance au Dieu qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme j'ai souvent dit, je ne comprends pas maintenant, mais un jour je comprendrai. C'est pourquoi je fais confiance à Dieu maintenant. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors que les vient viennent me rejoindre, je veux. Ma prière en tant que pasteur, je veux que tu apprennes à faire confiance à Dieu, mais je veux. Je ne veux qu'aucune personne ne mette sa foi dans la foi, mais qu'on garde notre foi en Jésus. La foi n'est pas, pas de ne pas avoir de doute et de peur. C'est pas ça la foi. La foi n'est pas de ne pas avoir de doute et de peur. La foi, c'est de continuer à faire confiance à Jésus malgré nos doutes et nos peurs. Donc, une foi spirituelle, surnaturelle, rationnelle, c'est ça. Mais notre Dieu est digne de confiance. Est-ce que je fais un à ça? C'est la parole de Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut se lever?